Yo, salutations mes humains, c'est OP, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve pour le débrief. Sturm Graz, Paris Saint-Germain, premier match de nos rouges et bleus, match amical de pré-saison. Alors on a fait mieux qu'en 2013, en 2013 on avait perdu 3-1. Et malheureusement, nous ne serons pas la première équipe française à battre le Sturm Graz chez eux, en Autriche. C'est comme ça. En tout cas, on se neutralise de partout, les gars. Il y a des bonnes choses, il y a des choses à dire, il y a des trucs à revoir, etc. Mais bon, se faire une vraie analyse sur un match amical, tranquille. Hein, non, parce que sur Twitter, oh là 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 là. Il y a quand même des gens qui ont commencé à insulter le Paris Saint-Germain et la compo de cette fin de journée en disant que c'était catastrophique. Oh les gars, tranquille. Hein, parce qu'en 2013, la compo était nettement supérieure. Et on s'est fait ouvrir 3-1. Donc, je ne vais pas me plaindre d'un 2-2. Bref, on s'abonne à la chaîne si ce n'est toujours pas fait. La petite clochette à côté, on clique dessus pour les notifications, le référencement. On met son plus beau pouce bleu et on lâche son petit commentaire. Le 11 de départ. Moi, je pensais que les internationaux n'allaient pas débuter ce match puisqu'ils venaient d'arriver lundi. Et finalement, non. Hein, on connaît Lucho, il prend des risques. C'est un homme qui prend des risques et il assume, c'est bien. Nous avions, bien évidemment, Safonov dans les cages. Safonov qui s'est pris deux pralines aujourd'hui. Bon, après, tranquille, hein. Rien de grave non plus. Ensuite, en charnière centrale, nous avions Skriniar, si je ne dis pas de bêtises, avec Elanash. Beraldo, lui, a bifurqué sur la gauche. Zague était à droite. Le milieu de terrain, Kanginli, Asensio, Carlos Soler et l'attaque, Ramos en pointe, Ramos qu'on a très peu vu, hein, il a été sevré de ballon le pauvre, donc Ramos en pointe, Colomoigny qui était à droite et Mbaye, le jeune Mbaye, pas mal, qui lui était à gauche. Bref, coup d'envoi pour le Paris Saint-Germain, on voit tout de suite les Autrichiens venir nous presser, venir jouer très très haut, Paris. La possession, comme d'habitude, Paris fait tourner. J'ai beaucoup aimé ce que Paris a proposé. Donc, on a beaucoup joué sur le côté droit, notamment dans l'axe. Le côté gauche était un petit peu délaissé sur cette première période, même dans l'ensemble du match, je trouve. En tout cas, sur cette première période, parce que c'est ça qui nous intéresse, Paris a la possession, Paris fait tourner. Il y a des petits manquements, hein, bien évidemment. C'est normal, on vient de commencer. J'ai aussi beaucoup aimé... Beaucoup aimé justement Kanginli, hein, qui a cette capacité, hein, dès qu'il touche le ballon, à casser des lignes. J'ai bien aimé. J'ai aussi beaucoup aimé le fait que Paris soit appliqué, cohérent dans son jeu. Je répète sur cette première mi-temps. Alors attention, hein, Sturm Graz, hein, s'est montré quand même très dangereux. Et à la 9e minute, ça va payer pour le Paris Saint-Germain, puisque sur une très belle action, Asensio va servir Mbaye. Mbaye va tirer. Bon, la balle est un peu détournée par le gardien. Mais bon, voilà. Mbaye à la 9e minute qui ouvre le score pour le Paris Saint-Germain. 3 minutes plus tard, si je ne dis pas de bêtises, on marque le coup. Oui, on arrive à faire rentrer le cuir au fond des filets. Par Carlos Soler, qui en plus d'être capitaine, je le dis, sur ce match, il a été plutôt pas mal. Et qui sera servi là par Colomoigny, encore une fois, lancé par Kanginli, qui, je le répète, a cette capacité à casser des lignes. Kanginli qui était justement sur ce match un petit peu mis, je ne vais pas dire dans un mauvais poste, mais bon, là, il avait plutôt un rôle de relayeur, hein, un poste qu'on... Pas un poste de prédilection pour lui, en tout cas. Mais bon, il était là, il a fait le boulot. Voilà, en tout cas, sur cette première période, les gars, les Autrichiens, bien évidemment, il y a un moment donné, tu ne peux pas... tu ne peux pas te contenter de les regarder et de faire tourner le ballon et on va être puni. On va être puni puisqu'ils vont réduire le score. Et puis, à la fin de la première mi-temps, ils vont égaliser. Et sur le deuxième but des Autrichiens, les gars... Safonov, il est un petit peu juste. Je pense qu'il aurait pu mieux faire. Des problèmes de marquage, forcément, des problèmes de justesse aussi, parfois dans les passes, etc. Mais bon, c'est un match amical. On va bien évidemment pas se rendre fou pour ça.
Sur la deuxième période, alors les Autrichiens ont complètement changé leur 11 de départ. Je crois qu'ils étaient 10 nouveaux joueurs sur le terrain, si je ne dis pas de bêtises, ou 9 ou 8, mais en tout cas, une grosse partie a été changée et ils nous ont mis une grosse pression d'entrée, vraiment une grosse pression d'entrée. Alors, j'ai oublié de le dire, Beraldo, hein, à la 25e minute, en début de partie, qui, je crois, sur un duel, il retombe, se tord la cheville. Je pense hein, sincèrement qu'il n'y a rien de grave. Cheville tordue, il n'a peut-être pas voulu aller plus loin, il boitillait un petit peu. Et c'est le jeune Gadou hein, qui est rentré à sa place, justement. Bref, en tout cas, sur cette deuxième période, nettement, nettement à l'avantage des Autrichiens. Nous, on était là, on s'est regardé un petit peu, on faisait tourner, etc. Forcément, les gars, Moscardo qui rentre et João Neves. Alors, João Neves, j'ai envie de dire du bien de ce, le peu que j'ai vu. Ces prises de balles, tout de suite, on voit le joueur qui se retourne, qui cherche à jouer vers l'avant. C'est pas mal. Ça laisse présager quand même des choses plutôt positives. Ramos, malheureusement aussi sevré de ballon, le pauvre. J'aurais aimé le voir un peu plus servi, mais c'est vrai que ça a été compliqué. Kolo Muani, alors Kolo Muani, moi, je trouve rien à redire. Il a plutôt fait son match, mais ouais, il. J'en attends un peu plus quand même. Alors, c'est la reprise, mais voilà. En tout cas, bonne rentrée pour les petits nouveaux, notamment João Neves. Au final, on se neutralise de partout. Je pense qu'on avait la place pour aller chercher une victoire. Les Autrichiens aussi auraient pu aller chercher cette victoire. Concernant le gardien Safonov, je reviens un petit peu dessus. Va falloir nous montrer un peu les choses un petit peu mieux, parce que c'est vrai, sur l'égalisation, moi. Les gars, ça m'a un peu chiffonné. Je ne vous mens pas que il n'était pas assez détendu, tu vois. Ah, il aurait pu aller la chercher quand même. Donc voilà, les gars, en tout cas, sur ce premier match, forcément, tranquille, on y va crescendo. Il n'y aura pas de top et de flop. Il n'y aura pas, oh, si je peux dire, un homme du match. Ça va peut-être en surprendre plus d'un, les gars. Mais allez, si je dois choisir, je vais même en mettre deux, tu vois. Deux hommes du match. Je vais mettre Asensio et Carlos Soler, qui pour moi ont été les Parisiens ouais, les plus bouillants sur le terrain. C'est vraiment ceux qui se sont démarqués, qui ont fait des courses, des appels, etc. J'ai trouvé le travail des deux Espagnols qui était plutôt intéressant sur ce match face à Sturm Graz. Donc voilà les gars, hein, on va bien évidemment attendre le 10 contre Leipzig pour voir un petit peu mieux. Là, je pense qu'on aura une meilleure équipe qui sera mise en place dans la compo initiale. Forcément, les Marquinhos, etc. et tout le monde va rentrer un petit peu. Donc, ça va être cool. Et puis, bah, je vais vous laisser me dire dans les commentaires ce que vous avez pensé de ce match. Est-ce que pour vous, ça vous laisse présager une saison catastrophique, comme certains le disent sur Twitter? Moi, je ne comprends pas, frérot. Comment tu peux juger sur un match amical la saison qui va arriver? Il y en a, c'est incroyable. Hey, je vous jure, on n'a pas besoin d'ennemis à l'extérieur. Les ennemis sont à l'intérieur. Les ennemis sont dans cette communauté parisienne, notamment celle des réseaux. Ah ouais, c'est dur, c'est dur. Bref, vous me dites tout en commentaire. N'hésitez pas à vous abonner, partager, liker. Et on s'attrape pour une prochaine vidéo actualité, etc. Mercato et tout. Mais surtout, on s'attrapera pour l'avant-match de Leipzig et bien évidemment le débrief. Ciao, bonne soirée. Sa mère, les footiques, c'est l'utesse que j'incarne. Paris capitale et la Liga capitule. On voit toute ton équipe face à Navas, t'es ridicule. Je suis dans une école 90.